merveilleusement bien ce soir. Et je vous retrouve pour cette avec la voix qui va moduler pour essayer de venir le plus fort possible, mais en même temps sans vous casser les oreilles, en essayant toujours de garder cet effet qui vient et qui s'en va. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Être capable d'avoir cette modulation de voix sans venir intentionnellement dégrader la qualité du son, sans venir intentionnellement dégrader la qualité du son, de venir dégrader et essayer de garder cette véritable et profonde qualité, parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez. Et avec laquelle je vais essayer de cacher justement cette petite modulation de voix. Regardez, là je suis en train de parler extrêmement fort pour essayer justement de calculer à quelle distance bien est-ce que je peux parler aussi fort, mais avec quelque chose comme cette éponge pour venir isoler le son. Ce n'est absolument pas ce que
nous sommes ici pour essayer de travailler cette modulation de voix. Alors, pour essayer de travailler cette modulation de voix, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me rapprocher trop près des micros pour pas justement risquer la saturation. Mais au contraire, je vais justement essayer de maîtriser mon souffle, de maîtriser le débit de ma voix au milieu des micros, au milieu de cet écran, pour essayer justement peut-être de te détendre, de te détendre, et ce sans forcément rendre cette vidéo intensément plus intense qu'elle n'est déjà. Ai-je proposé au début de la vidéo de boire un coup d'eau? Impeccable. Bien. J'aimerais mettre ces gants. Observer. C'est marrant parce que ça fait vraiment, ne serait-ce déjà que la couleur, de parler trop fort. J'ai l'impression d'avoir touché le micro, je suis désolé.
chose que j'ai découvert récemment. Enfin, découvert. C'est un bien grand mot. Sans rentrer dans les détails, avant cette chaîne YouTube, j'avais une autre chaîne YouTube. J'en ai plusieurs. Bref, peu importe. Et j'ai fait une vidéo, c'était sur un jeu vidéo. Et j'ai fait une vidéo, peut-on se relaxer sur ce jeu vidéo? À ce moment-là, évidemment, je n'avais pas cette chance de vous avoir vous. Ce qui fait que y avait surtout des très jeunes qui me suivaient, des très jeunes qui ne me suivaient pas forcément. Enfin, il y avait quelques personnes qui me suivaient pour qui j'étais, mais très très peu. Donc j'ai vite arrêté cette chaîne, enfin pas vite du coup, mais j'ai arrêté cette chaîne, bref, peu importe. Tout ça pour vous dire que c'est un lien avec les SMR. Et vous allez. À ce moment-là, je venais de commencer l'écoute de vidéos ASMR. La première vidéo où j'ai été hypnotisé, c'est... Et non, je ne vous le dirai pas. Je vous le dirai pendant la FAQ des 100 000 abonnés. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moins bien. Ça m'a appris à devenir qui je suis aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais j'étais vraiment différent. Et pour moi, annoncer que j'écoutais de l'ASMR de manière honnête, sérieuse, c'était déjà très difficile parce que j'avais zéro confiance en WAM. C'est ce genre de choses quand on n'assume déjà pas de faire des vidéos sur un jeu vidéo. Vous voyez? Et même au début de ma chaîne ASMR, j'avais du mal à assumer. Quand quelqu'un me demandait tu fais quoi? J'avais du mal à assumer que je chuchotais devant des micros et que ça pouvait détendre des gens. Vous, en l'occurrence. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas, au contraire. Je trouve ça plutôt incroyable. Et s'il y a moyen peut-être de parler un jour, sans le faire exprès, mais un médecin, enfin peu importe, en fait, d'essayer d'aller plus loin que juste des vidéos de gens qui chuchotent, d'essayer de trouver une véritable dimension médicale à l'ASMR. Bref. Donc à ce moment-là, je disais, bon, j'écoute de l'ASMR. Puis je me suis posé la question, et si je faisais moi-même des vidéos ASMR? Puis très vite j'ai répondu, mais non, bien sûr que 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 non. Ne jamais dire jamais, vraiment. Et c'est une petite invitation pour vous, mesdames et messieurs, ne jamais dire. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et tant qu'on n'a pas essayé quelque chose, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas. J'ai envie de vous en dire plus, mais j'ai aussi envie de garder le suspense, puis de challenger un petit peu les gens qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Agréable. Les gens ils disent que c'est agréable.
Soyez fiers de votre parcours, de votre histoire, même si tout n'est pas toujours aussi beau. Malheureusement, on n'a pas tous. Certains peuvent aller au bout de leur projet avec des très bonnes conditions. Pour d'autres, c'est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'oublier qu'il faut faire de la modulation de voix. Alors on va essayer tout simplement de venir créer cette modulation de voix, de moduler notre voix pour essayer de la rendre encore plus intense, mais cette fois-ci au milieu des micros comme tout à l'heure. Mais alors, attention, parce qu'il faut toujours garder le contrôle. Il faut toujours garder le contrôle sur cette voix, sur cette modulation de voix, sur cette. Est-ce que ce flux d'air peut essayer de sortir de mon corps pour essayer de venir moduler justement cette voix en chuchotement pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement, comprendre pourquoi est-ce que cela fait ça. Est-ce que vous êtes capable, vous aussi, de créer cette sensation, de créer cette puissance de chuchotement? Je pense que oui, très sincèrement. Cette modulation de voix avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Être capable de maîtriser son souffle, de maîtriser l'air qui rentre et qui sort de son corps est comme quelque chose de très précieux, comme si vous teniez une clé entre vos mains qui ne vous manquait. Serrure pour venir récupérer ce qui vous est dû. La clé, votre respiration, entre autres. Je dirais que la clé, c'est un puzzle où il y a beaucoup, 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 beaucoup de pièces. Ce puzzle achevé, vous aurez ce plaisir de la pleine conscience, de l'amour de soi profond, et ça vous permettra également d'encore plus apprécier la compagnie des autres. Et une fois que vous vous aimez, eh bien, personne ne peut vous détourner de vos objectifs. Rien ni personne. Et tout devient incroyable. Ça n'empêche pas les moments de tristesse, les moments de peur, les moments de haine d'être là. Mais vous êtes capable de les accueillir plus sereinement. Bon, bref. J'arrête avec mes discours. Philosophique ou je ne sais pas quoi, spirituel. Oh, qu'est-ce qu'il nous raconte ce type? Nous, on est simplement là pour se détendre, alors pourquoi est-ce qu'il nous parle comme ça? J'espère en tout cas que cette modulation de voix qui n'a effectivement pas été à proprement parler une modulation de voix parce que je n'en ai pas fait énormément, j'espère que tout de même cette vidéo vous a plu et vous a permis de.